D'une part, la classe ouvrière française ne fera pas son unité politique et ne montera pas sur les barricades pour obtenir 12% d'augmentation des salaires. Il n'y aura pas, dans l'avenir prévisible, de crise si dramatique du capitalisme européen que la masse des travailleurs, pour défendre ses intérêts vitaux face à la grève générale révolutionnaire ou à l'insurrection armée. D'autre part, jamais la bourgeoisie ne cédera le pouvoir sans combattre, mais sans y être contrainte par l'action révolutionnaire des masses. Alors, le problème principal d'une stratégie socialiste est dès lors de créer les conditions objectives et subjectives à partir desquelles l'action révolutionnaire de masse devienne possible, à partir desquelles l'épreuve de force avec la bourgeoisie peut être engagée et conduite.